Ok, nom de l'accusé. Louran Fuster. Religion et origine. Je suis musulmane et plus précisément de Fumban. Fumban, je sens que tu as un bon avocat. Depuis longtemps. C'est ce que disait mon frère, l'audience peut commencer. Je vous remercie de votre arrivée. Parole à l'accusation. Le ridicule ne tue décidément pas dans ce pays. Oh les gars, calmos. Racontez juste ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais, les députés qui passent le temps à acheter les vues dans les réseaux sociaux. Ouais, j'ai dit juste les faits. Tu aurais dû rester sur les mèches. Ah, pourquoi vous êtes comme ça? Il faut qu'il aille voir les psychiatres. Vraiment, mon frère, parole à l'accusé. Moi? Semaine. Mange. Oh, quitte. Nous avons vu la vidéo. Est-ce que tu as insulté le policier? Jamais. Certaines personnes disent que tu l'as giflé, c'est vrai? Jamais. Tu as quand même forcé le passage? Jamais. Waouh. Qu'est-ce qui se passe exactement quand tu arrives ce jour-là? On me demande. Madame, descendez du véhicule. Il a dit madame. Madame, descendez, on dit pas honorable. Ça alors. Monsieur l'avocat. Vraiment. Nous sommes dans la main de... Continuez honorable. Et à l'un de me dire que... Madame, je vais tirer sur vous. Massa. Où est-ce que lui là, s'occupe parce qu'ils ont... Bon, ça va. On a compris. Toi aussi, arrête. Tu as répondu comment? Je dis, hey. Vraiment, hey. Il faut qu'il aille voir le psychiatre. Ensuite. Je lui demande, vous allez tirer sur un député? Il a répondu quoi? Il me répond, vous voulez voir? Massa, réaction dans le public. Le problème, c'est que ça, c'est un problème qui va engendrer des autres problèmes. Ça va. Et pendant ce temps, que fait l'avocat? Je mange fort. Continue. Il me pousse. Oh, raconte d'abord la partie où tu le bouscules. Quand je descends du véhicule, le monsieur est devant moi, donc je le bouscule. Voilà. On me doit un respect. Bien sûr, tu es député. C'est pas parce que je suis député, mais parce que je représente quand même une institution. Ah oui, quelle a été sa réaction quand il a su que tu étais député? Il dit... Député de mes couilles. Massa, monsieur l'avocat, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et qui est-tu son avocat, non? C'est moi qui vais se reposer. Et l'argent ne veut pas se reposer. C'est pas un amusement. Oh, tu es avocat? Non. Tu es témoin? Non. Tu es comptable? Non. Télécharge donc 5K pour faire ta comptabilité. Bosse la pub, tu ignores quoi, mon petit? Toi, tu es devenu trop lent. Bientôt, je vais te confier le lavage du sol. Seigneur. 5CAP, c'est l'application qui est en train de révolutionner la comptabilité de toutes les entreprises africaines. Du callboxeur à l'industriel, en passant par le barman et le pharmacien. Tout le monde utilise déjà 5CAP, sauf ceux qui ont l'iPhone. Parce que depuis, on attend la version iOS. Je blague. La version iOS est disponible depuis une semaine et désormais, tout le monde peut jouir de cette solution de comptabilité intuitive. Ceux qui m'écrivent souvent pour me demander si on peut encore investir dans le projet 5CAP et avoir des dividendes sur 99 ans. Je vous réponds oui. Le projet est en train de s'étendre sur toute l'Afrique. Alors investissez sérénement, même comme il s'agit d'un risque. Mais un risque calculé et ingénieux. Moi-même, j'ai investi. Téléchargez 5CAP. Je suis député. Ah, son collègue, on t'écoute. La République fonctionne parce que les symboles de l'État sont respectés. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Tu me dis quoi là? S'il y a des torts, ils sont répartis. Ça aussi, c'est vrai. C'est quand même un fonctionnaire. Qu'est-ce que le monsieur là raconte? Fonctionnaire, c'est quoi? Eh bien, mon frère. Si le député était du RDPC, le policier l'allait faire ça? Bon, difficile à répondre. Mon frère. Je sais pas. C'est sûr qu'elle n'a pas été humble. Tu connais une femme qui est humble? Oui. Ben, tu es humble, non? Ouais, ben, ne me mets pas déjà les choses là dans la tête. La femme devient humble quand il y a l'argent. Oh, l'argent. L'histoire d'argent. Toi, comment tu maîtrises cette histoire? On n'a pas pu démanger l'argent. Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire de mauvais? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Oh, arrête, elle n'a pas dit ça. J'espère que la prochaine fois, le policier va seulement te gifler. La femme d'autrui vous a fait quoi? Ouais, maman, tout est faux sur elle. Faux cheveux, faux make-up, faux tout. Massa, c'est quoi votre problème? Vous avez les vendeuses de mèches à l'Assemblée. Qui vous a dit que quelqu'un qui vend les mèches ne peut pas être député? Akalès, il est le seul à penser cela. La Nouran sans make-up et sans mèche, difficile à reconnaître sur cette vidéo. Il me casse d'ici, restez téléchargé Swissin. Et toi, justifie ton salaire. Bosse la pub, tu ignores quoi, mon petit? Vous êtes déjà plus de 10 000 à utiliser Swissin. Sentez vous remercier, mais j'ai un problème. On est d'accord qu'avec Swissin, on n'a plus besoin d'aller faire les recharges de crédit au Carrefour. On est aussi d'accord qu'on achète désormais le crédit sur l'application Swissin et l'argent est coupé de nos comptes Orange Money ou MTN Money. Ok, mon problème, c'est le suivant. Ça marche seulement pour les gens qui veulent le crédit Camtel, Nextel, Orange et MTN. Les gens de Yumi font comment? Non, je blague. Les utilisateurs de Yumi aussi peuvent télécharger l'application Switching et recharger leur crédit quand ils veulent à partir de leur paiement mobile préféré. Et je précise que c'est sans frais. Télécharger Switching. Mange. Ouais, mon frère, arrête de manger l'argent. Clôturons cette affaire. On ne va pas tuer le rêve jeune. C'est bien. Écrivez au DGSN. Nous allons plutôt écrire au président de la République. Pour lui dire quoi? Si lui, le président de la République, cautionne qu'on dise député de mes couilles, il faut qu'il s'apprête à ce qu'on dit président de la République de mes couilles. Très bien pensé. Et il faut préciser que c'est une femme ambitieuse, hein. Par rapport aux vendeuses de piment qu'il y a là dehors. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Justement. On ne peut pas mettre sur la balance Nathalie et Nouran. Enfin, tu dis quelque chose de sensé. Nathalie est la plus de classe. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, comment jugez-vous l'attitude du policier? C'est très sauvage. Oh, ok. Et ceux qui s'en prennent à la femme? Il faut qu'il aille voir le psychiatre. Voilà. Enfin, dites-moi pourquoi le communiqué du gouverneur semblait être en faveur du policier. Parce que, pour ainsi dire... Un conseil pour Nouran, s'il te plaît. Monsieur Steve Fort, je t'attends et je veux qu'on mange l'argent. La mère fait mon pas. Man. Et puis c'est...